On a deux chantiers en livraison de granulats, essentiellement sur le Grand Paris. Le principal, c'est la production de granulats pour une usine de voussoirs. Et parallèlement, on a des volumes qui sont dédiés à des centrales, donc c'est par un de nos bétonniers, hein, à nos clients bétonniers, qui lui commercialise du béton à usage du Grand Paris pour des fondations profondes. On a une deuxième activité qui concerne le Grand Paris, c'est l'accueil de remblais. Essentiellement, c'est de l'excavation hein, sur des chantiers de terrassement. Depuis l'ouverture de la carrière, Liber est un partenaire. On a le SAV qui évidemment nous a guidés sur le choix des machines Liber et la qualité des machines évidemment. On a vraiment développé une relation de confiance avec le service après-vente de l'agence qui est proche de chez nous. Et donc ça, c'est un vrai plus. Nous, on a besoin de travailler avec des machines qui soient le plus fiables possible, avec un SAV aussi qui soit très réactif. On a exploité la première pelle 970 de 2014 à 2020. On a fait 16 000 heures d'exploitation avec cette machine et c'est une machine qui nous a accompagnés pendant 6 ans et qu'on a conservée. La gamme 970 SME bénéficie d'un châssis, on va dire bodybuildé, qui nous semblait parfaitement adapté à l'extraction de roches massives et notamment à la positionnement sur les tirs de mine. Le travail effectué par l'engin, c'est plus un travail de chargement pour un scalper. Pour du chargement scalper ou pour de l'extraction, c'est assez performant, assez souple et performant. Performance, souplesse et vigueur. Et en 2018, on avait à remplacer des chargeurs de 6 m3 et demi. On a sélectionné les machines Liber parce qu'on avait une très bonne expérience sur d'autres carrières du groupe ADC qui nous ont démontré une économie de carburant assez substantielle. La mise en service des chargeurs L586 X-Power nous a démontré une économie de carburant entre 7 et 8 litres à l'heure, une économie entre 25 et 30 % de carburant pour l'exploitation des chargeurs en chargement des camions.